Ça va, Massilia? T'as fait une belle figure pour les amis. On va refaire? D'accord, allez, c'est parti. Coucou les amis. Bon, t'as dit coucou les amis, elle a dit coucou les amis tout doucement. Bon, Massilia aujourd'hui elle est pas en forme, je sais pas si c'est dû à la piqûre d'araignée, ce que je pensais être une araignée, mais apparemment c'est pas une araignée, c'est un moustique, elle aurait fait une allergie. Alors ça se trouve, elle est allergique aux moustiques, j'en sais rien. Elle a 39,4 de fièvre, donc là on part aux urgences de Béziers. On vient de passer voir les sages-femmes. Massilia est à côté. On est dans la salle d'attente pour voir le docteur. Les sages-femmes, elles sont comme ça. Fraîchement, vraiment très très gentilles. C'est l'hôpital de Béziers. Donc voilà, dans la salle d'attente, c'est pas mal. Il y a une petite télé avec des animés. Des petits dessins. Donc voilà, je pense pas que ce soit quelque chose de grave. Avant de venir, on y a donné un suppositoire. Et là, la fièvre a déjà baissé à 38,2. Donc ça va, elle se plaint de maux de ventre, donc on verra. On verra. Et Massilia, mas. Elle est mignonne. Ça se voit qu'elle est fatiguée, allez, on nous appelle. Bon, nous voilà sortis des urgences. Petite ordonnance. Bon, Massilia, rien de grave. C'est pas dû aux piqûres. Elle a une pharyngite. C'est pour ça qu'elle a eu une poussée de fièvre aussi forte. Donc, ils m'ont donné les médicaments pour soigner tout ça. Pas d'antibiotiques. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils font un test pour savoir si elle est virale ou pas. Donc si elle n'est pas virale, ils donnent pas d'antibiotiques. Qu'est-ce qu'il y a, Massilia? Oui, on arrive à la voiture, Massilia, t'inquiète pas. Et l'hôpital de chez nous, ils ne font absolument pas ça. Ils donnent antibiotiques, allez, vas-y, prends les antibiotiques. Et alors qu'ici, non, pas du tout. Ils font vraiment ça correctement. Donc voilà, ils ont donné un petit peu aussi de Forlax. Parce que depuis qu'on arrive en vacances, depuis dimanche, Massilia n'est pas allée à la selle. Donc voilà, pour l'aider aussi à aller à la selle. Et un petit peu de Doliprane. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont dit qu'elle pourrait aller à la piscine. Qu'elle pourrait continuer à faire des activités normalement. Donc voilà. Bon, allez les amis, en arrivant, je pense qu'on va arriver à la maison, on va voir maman et Camilia, voir ce qu'elles font, et on va aller faire un petit tour à la piscine. On continuera la suite de ce vlog à la piscine du camping, avec Massilia en train de faire du toboggan. Sauf si elle est vraiment trop fatiguée, mais là elle a l'air d'aller mieux. Donc je pense que on ira à la piscine. Oui. Ça va mieux, Massilia? Oui. Là, ça va mieux. Hein, on est à la piscine. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était à l'hôpital. Tout à l'heure, on était à l'hôpital. Et l'autre, elle escalade là. Hé, Camilia, attention. Viens. Tiens, descends là, Massilia, s'il te plaît.
Hop là, voilà, comme ça. Et l'escalade. Hein, Camélia? Mais tu es folle, toi. Hein? Regardez, elle fait le singe. Elle tient debout encore comme ça, mais elle marche pas. Voilà, c'est bien, Massilia. Allez, pose-la, pose-la. Voilà. Allez, Mas, c'est parti pour le toboggan. C'est ce petit toboggan-là. Allez, on s'assoit. Attends, papa. Oh, je suis trop lourd, moi, j'avance pas. Je suis trop lourd. Non, je suis trop lourd, moi, j'avance pas. Voilà, comme femme avec la maman. Ah, papa, il est trop lourd, il avance pas. C'est pour les enfants, c'est pas pour les papas, ça. Ça va, Massilia? T'as fait une belle figure pour les amis? On va refaire? D'accord, allez, c'est parti. Ça va? Allez, vas-y, vas-y. Et toi, tu t'appelles comment? Ambre. Oh, c'est joli. Allez. Ah, il y a Camélia. Tu veux faire quoi ici? Coucou, Cam Cam. Coucou. Attention. Regarde, avec quoi ça tourne? Allez, allez,
d'accord. Allez. Allez, allez. Ouais. Le petit champignon.